Tourne bien et puis surtout ils reviennent d'une défaite, une courte défaite à Aurillac, donc ils auront à cœur de se racheter. Et ouais, je pense que ça va être un match compliqué, ils sont deuxième, ils descendent de top 14, ils visent la remontée cette année, donc évidemment ça va être compliqué, mais on va perdre sur un match comme ça, je pense. Après, je pense qu'ils sont bons partout, c'est une ultra complète, mais ils ont surtout un gros paquet d'avant, avec une excellente conquête. En mêlée, c'est très costaud, en touche, c'est très propre. Et derrière, ils ont des joueurs très puissants qui font la différence. Et d'expérience, comme Minardi ou autre. Si on prend tous un par un, tout le monde est content et prêt à donner, à livrer un gros match, quoi. Et les mecs, ils vont s'envoyer comme jamais. Ils n'ont pas trop l'occasion d'être sur des feuilles de match comme ça. Pour certains, c'est leur première, d'autres leur deuxième. Donc, je sais que. Ils s'en verront pendant tout le match, quoi. Si on s'en voit pas là, on s'en verra jamais. Donc, pour l'investissement, je ne me fais pas de... Tu fais pas de soucis. Bien sûr, ça me fait plaisir et c'est gratifiant. Après, je vais essayer de... J'essaie de ne pas mettre de pression supplémentaire par rapport à ça. Juste d'aider... D'aider peut-être les jeunes... Enfin, les jeunes... ceux qui ont moins d'expérience, qui montent dans le groupe, essayer de leur donner les quelques conseils que je peux leur donner. Mais après, je n'ai pas de pression particulière en étant capitaine.